Christophe Cellier. J'ai 47 ans et je suis Grabellois depuis 14 ans. J'ai deux enfants scolarisés à Grabel pour l'une et à La Paillade pour le second au Collège des Garrigues. Je suis salarié à la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres depuis plus de 20 ans. Je suis candidat aux élections pour diverses raisons. J'aime mon village et j'ai beaucoup apprécié la manière dont l'équipe sortante s'est occupée de celui-ci et l'ont fait évoluer ces dernières années. Je me suis toujours intéressé à la vie du village et à la vie associative en particulier. Par le biais du comité des fêtes, depuis 3 ans, j'ai noué des contacts enrichissants avec les Grabellois qui ont amplifié mon intérêt pour le devenir de notre village. Une élection, c'est le moment privilégié pour penser à un projet d'avenir et savoir dans quelle direction nous souhaitons le faire évoluer. C'est pourquoi j'ai accepté la proposition qui m'est faite d'intégrer l'équipe de René Revol pour travailler à la poursuite de l'amélioration de notre village. Jean-François Marine, j'ai 50 ans, j'habite à Grabel depuis 1973. Ma famille est originaire de l'Hérault. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 21 ans et un garçon de 18 qui ont fait leur scolarité sur l'école de Grabel, où je me suis d'ailleurs investi à la FCPE. Je travaille au CHRU de Montpellier en tant que manipulateur en électroradiologie sur la Péronie. Je suis aussi délégué syndical sur mon établissement. Je me suis engagé sur la liste du maire sortant, ayant déjà participé à des actions engagées par le comité des fêtes, le comité de quartier Bel Air et auparavant le centre social Gutenberg. Pour moi, notre liste permettra de continuer le développement de Grabel avec un véritable projet, tout en respectant une âme de village à visage humain. Mais aussi la défense des habitants vis-à-vis du projet du lien et faire entendre notre voix au niveau de l'agglomération.